Salut monsieur. Ça va? Oui, ça va. Et vous monsieur? Ouais, je vais très bien. Ah monsieur, au fait, comme j'ai entendu que vous êtes le plus riche dans le quartier, je veux que vous m'aidiez à jouer le foot. Je m'en fous de toi, je peux pas t'aider. Mais je sais faire tout dans le foot. Vas-y, je te vois pas. T'as pas un avenir dans le foot. Je te dis, je m'en fous de toi. Je peux pas investir mon argent sur toi. Je m'en fous de toi. Dégage. T'as pas un avenir. T'as pas un avenir dans le foot. Dégage, je m'en fous de toi. À la fin de la scène, c'est quand on a vu le jeune qui a été discriminé, il a réussi maintenant. Il a réussi à être footballeur et il revient à la personne qu'il a discriminé lorsqu'il était petit. Moi, j'aime aider pour jouer le foot. Ah, maintenant, il est devenu pauvre. Oui. Ça va, monsieur? Ça va, tu vas bien? Ouais, bien, vous? Ouais, je vais un peu bien, parce que je suis malade là aussi comme ça. Désolé. Moi, il y a moyen de t'amener à l'hôpital. Ah, il y a moyen de m'amener à l'hôpital? Oui, viens, j'ai une voiture aussi. S'il vous plaît, monsieur, ça me fera plaisir, merci. Il y a d'autres personnes qui avaient dit qu'ils veulent que le monde change, qu'il n'y aurait plus de... du racisme dans le monde, parce qu'il voit que dans le monde, il y a beaucoup de racisme dans le monde. This life, the most important is freedom and peace and justice. Et ça va, avec le football, il y a beaucoup de ces cas qui se passent. On a maintenant des grands joueurs qui ont vécu ça, c'est pour cela qu'on a décidé de créer ça. Parce que la discrimination et le foot, ça va. Chanter, on va danser. Je vous présente la famille. Je vous présente les armes. Je vous présente les élèves. Les élèves et les maîtres. Je vous présente mon capitaine. Amenez ce que vous voulez, madame. Franchement, le foot, c'est mon rêve. Parce que depuis à l'enfance, j'adore trop le foot, vous voyez. Et je le pratique. C'est un futur Busquets. Sergio Busquets! À part le foot, ma deuxième solution, c'est les études. Le slam, parce que moi, je viens de commencer ce que j'ai compris dans le slam. En fait, c'est un truc de parole qu'on doit former ou bien inventer de parler de la vie sous forme en rap. حتى إذا لقيت مئة يوم لن يعود. Je m'appelle Driss Lahit. Cette scène, c'est comme un bon père, c'est méchant. Alcoolisé, oui. Et il fait beaucoup de choses avec les enfants, c'est pas bien. Allez, merci de voir ça. Ouais. Allez, 5, 6, 7, et 1, 2, 3. Je suis soudanais. En Soudan, le premier chanteur, il s'appelle Houta Mahmoud Abdelaziz. Moi, je parle mon langue, il est fort, parce que en Soudan, il y a beaucoup de langues, c'est pas juste arabe. Première langue, c'est arabe. Arabe, fort, zaraba, c'est trois sons. Oui, moi, j'écoute la musique Metro Games. Ça, c'est français, Metro Games. Pour les filles, Aya Nakamura, par exemple.
Comportement bah ouais. J'ai dit comportement bah ouais. Je suis dans mon comportement bah ouais. En Amérique, c'est moi j'écoute rap. Premier c'est Michael Jackson avant, après Tupac, Lil Wayne, Chris Brown, c'est beaucoup. Il y a plein d'artistes, Peul, il y a Rika, plein. La musique Peul, ça c'est traditionnel quoi. La musique Peul, seulement les Peuls qui ont cette musique, ces arts de musique. Les Peuls sont partout en Afrique, la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Cameroun. Il y a plein de Peuls en Afrique. Moi j'aime bien les musiques américaines, je préfère la R&B, j'écoute trop. Je comprends pas l'anglais mais le rythme, ça me fait du bien, vous voyez. Sandler Meyer, c'est Enzo Black, Tati Tati. Let's toast to the good life. Navigator. Le meilleur chanteur, c'est Navigator. Ça, c'est un des petits artistes, même pour nous, reconnus dans leur quartier. Nous, ce qu'on connaît, c'est les Baliesa, Takana. Dexy Fostry, Instinculeur, Soul Benz, Pokémon Nyakri. Ce sont les artistes que nous les autres artistes sont des petits artistes dans le quartier, ils ne sont même pas reconnus. Des artistes qui n'ont même pas plus de 2000 vues. Yeah, il a 2000 vues, on va regarder maintenant. Il a 2000 vues, Navigator, Lama Sidi Bey, Habibou Fatako, il y a beaucoup de chanteurs. J'aime la nature, j'aime le Coca-Cola. C'est pas bon à boire, il y a trop de sucre dedans. C'est un luth, c'est une guitare arabe. D'ailleurs, la guitare est un instrument qui a été inventé par les Arabes. Hier, nous, cette groupe, on avait choisi de faire les rêves, un spectacle ou bien de créer quelque chose sur les rêves. Pourquoi il a choisi ses rêves? Comment il voit ses rêves? À la fin, on avait créé un petit spectacle sur le foot, la discrimination et le racisme. Il y avait d'autres personnes qui faisaient le foot et la discrimination ensemble et d'autres personnes faisaient le racisme. Ouais, je m'appelle Yann. Ah Yann, tu es à l'école de Sofia? Oui. Ah oui, ça se bien. Mais là, tu fais quoi là? Tu fais quoi à l'instant? Je suis un professeur de danse. Oh frère. Hey, c'est toi? Comment ça? How are you doing, bro? Ça va bien. Ouais, mon pote. C'est bon, ça va. Comment ça va? Ça fait longtemps, tu vas bien? Mais c'est qui ça? Ah là, je ne sais pas. Comment ça, tu ne connais pas? Non, il me demande du cigarette, des choses bizarres là, je ne sais pas. De quoi il parle? Comment ça, tu me connais pas? Non, laisse-moi, je ne sais pas, laisse-moi. Yann, il vient, il parle avec son pote, qui est radio. Salut, mon pote, ça va? Ah, ouais. C'est qui celle-là? Ah, c'est ma copine. Il voit, la fille. D'accord. Il demande, elle, regarde comment elle est habillée. Pourquoi tu arrêtes ici? C'est ma copine. Oui. Tu vois, elle est comment elle est habillée? Pas bien habillée. En plus, toi, t'es mon pote. Hein. Prends le flanc, il enlève. J'enlève ça. Allez, qu'est-ce que tu En fait, moi, j'ai fini, j'ai relevé la fille. Ouais, Yann,
Oh, viens, viens là. Quoi? C'est quoi là, toi? Moi, je cherche mon copain ici. Non, pourquoi tu lèves sa fleur? Non, lève-toi. Lui, il a pris le fleur et il a remis. Ah, t'as trahi ton pote. Ouais. Et t'as trahi. Ouais, ça c'est pas bon, il fait pas ça. Ouais, c'est. Ça s'appelait quelqu'un. Moi, non, c'est Yann. Ouais. Ouais, je devais. Ah, c'est toi? Ouais. Toi, Yann. Quand tu enlèves son. Ça là, que ça soit bon, on est tous ensemble, on est tous les êtres humains. C'est ça. Mais c'est pas vrai, ça soit bon, on est tous ensemble, on est tous les mêmes. Ça soit bon, ça soit bon. Prends-moi, ça soit bon. Ouais, on est tous les mêmes. The most important in my life is my family and my dream, you know. Yeah. And my for example, sometimes I say I want to be an engineer, sometimes I say I want to be a doctor, sometimes I say I want to be this, but you know, it's difficult because now I'm in Belgium here. It's not like Sudan, because in Sudan, seriously, I speak Arabic and I study in the school to English, but here it's more difficult, you know. It's French. It's like first one, I study French and then I see what I can do. Yeah. Donc je vais me présenter comme Driss le suggère. Je m'appelle Thierry Delia. Je suis enseignant ici avec des élèves formidables et des collègues formidables aussi. Donc des conseils, allez au bout de vos passions. Allez au bout de vos passions et vivez de vos passions. Essayez de tout faire pour réaliser vos rêves, d'aller au bout de ce que vous voulez faire. Je pense que ça, c'est une bonne clé. Ne perdez pas d'énergie à des problèmes qui n'ont pas de solution. Un problème qui n'a pas de solution, on ne va pas perdre son temps à essayer de trouver la solution. Le temps apportera une raison ou une solution. Et donc, voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est d'aller au bout de vos rêves, de tout faire pour réaliser vos rêves, si c'est peindre, si c'est jouer du oud, si c'est chanter, si c'est rapper, allez-y. Si vous voulez faire du cinéma, faites du cinéma. Si vous voulez faire du théâtre, allez-y. Il y a beaucoup d'écoles de théâtre à Bruxelles, il y a énormément de formations. Donc foncez, les portes sont ouvertes. Si vous prenez le bouton de porte, si vous laissez, à ce moment-là, ça ne sera pas pour vous. Donc voilà, c'est un conseil. Moi, je vis de mes passions et je suis passionné par la vie.